touche beaucoup de ballons, ouais, Sangaré, oui, il s'est retourné, il a éliminé trois adversaires d'un coup, Sangaré, et il a pu passer avec Mokdad qui va jouer ce ballon. Oh, c'était magnifique pour Faraday. Voilà, c'est la mi-temps. C'était la mi-temps. Ici, du côté de Villefranche, 0-0, mon cher Nassim, entre les Caladois et les Cristoliens. Attention, deuxième avec Laurier, il est tout seul. Attention, deuxième poteau, le ballon, la tête, est-ce qu'il n'y a pas une main, là, Nassim? Eh oui, penalty. Hop. Face à Stéphane Véron. Rémi Sergio, ouais, c'est très bien tiré, ouais, Nassim. Bien tiré. Et c'est l'ouverture du score pour les Caladois. 1-0 pour Villefranche à 10 minutes de la fin. Ce ballon dégagé par les Caladois. Guy Lavogui, Sergio. Oh, pour Toflib. Toflib qui a un petit peu de chance. Toflib qui va se retrouver seul face au gardien. Oh, Toflib qui temporise. Hein, qui a joué derrière pour Loré. Loré qui rentre dans la défense de réparation. Loré, Loré. Loré, le petit piqué. Loré. Magnifique but en contre d'Alexandre Loré. On arrive au bout. Mérité sur la deuxième mi-temps. Mérité sur la deuxième mi-temps. Attention, Toflib à nouveau. Toflib qui arrive face au gardien. Toflib, le lob. Toflib. Gardien est trop sorti. Et voilà, Villefranche termine en roue libre. Le gardien qui était avancé, Timothée Toflib. Il s'en prend à ses coéquipiers qui disent qu'ils l'ont laissé tout seul. L'arbitre va siffler. C'est terminé sur cette victoire. 3-0.